En petit truc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ceci. Je vous ai mis que ça, c'était fait maison. Je suis parti de rack. Donc c'est des trucs qu'on utilise dans les magasins pour pouvoir mettre les palettes. Vous voyez les planches métalliques où on met les articles dessus. Et en fait ça vient de ça, donc c'est des petits que j'ai taillés. Donc à un moment ils faisaient cette longueur là, je les ai taillés. J'ai taillé un petit peu ici sur les côtés pour pouvoir les plier comme il faut après. Je les ai pliés à la pince, ça m'a pris 2 heures. Puis je les ai vissés au bout de guidon d'origine. Ça m'a pris 2 heures comme je vous ai dit à faire. Mais franchement, mes couilles pour pouvoir scier du métal. Ça donne un look pas mal, vraiment très agressif à la moto en plus. Et surtout, oula, surtout je regarde pas où je vais. Et surtout, j'économise 100 balles quoi. Alors certes, ça va peut-être pas être la même protection, le même délire que des vrais à 100 balles. Mais pour moi, c'est juste plus l'esthétique qu'autre chose. Magnifique R6. On va surtout se mettre un peu de musique. Téléphone connecté, exactement. Mais de la musique. Faut me la mettre. Non? Bon, ok, je vais faire moi-même. Putain, mais espèce de tocard, va! Quel enculé! Putain, deux qu'il a failli en choper, deux! Putain, vraiment un con celui-là! J'étais content, j'étais de bonne humeur, tu m'as mis vénère là! Putain! Putain, quel enculé! Deux qu'il a failli en choper, deux! Wow! Frère, je suis en train de me dire, mais il est où le conducteur sur ce vélo? Oh putain, génial! Regarde, elle se bloque. Regarde, elle accélère toute seule. C'est génial. Frère, c'est quoi ça? Bah ouais. Voilà, bon, je sais que là j'ai pas été hyper actif sur YouTube. Ça fait une ou deux semaines que j'ai pas posté de vidéo. Voilà, j'ai eu les examens. J'espère que pour vous ça a été. Dites-moi s'il y a des petits minots là qui ont été en examen ou en bac ou ce genre de truc. Si vous avez réussi ou pas. Personnellement, j'ai un seul examen de passage en maths, en anglais pardon, et j'en suis super content. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas autant d'examens. Wouh! Pour une fois que je travaille, pour une fois que j'ai pas plus d'un seul examen. Ah, c'est sûr, l'année prochaine c'est la réto direct. 6e année, réto, voyage réto, bourrage de gueule. Ouais. Oh, c'est tellement kiffant des musiques comme ça. Wouh, c'est génial. Eh, vous me faites kiffer là, maintenant que j'y pense avant de terminer la vidéo. Vous, en commentaire, même les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Franchement, vos commentaires, quand vous me dites que je fais de la qualité et que je dois avoir plus de 180 abonnés, ça me fait plaisir, vous pouvez même pas savoir. J'espère qu'on entend bien avec le micro, parce que j'ai ouvert la trappe pour le vent là, parce que j'avais un peu chaud, je peux vous mentir. Parce qu'il fait un peu 30 degrés en Belgique. Messieurs, je vous dis à très bientôt, profitez bien de ces vacances. J'espère que vous ne devrez pas trop étudier pour septembre en tout cas. Je vous souhaite à tous et à tous de bonnes vacances, bonne soirée à vous, profitez bien, mangez de bons barbecues. Oh! Non. C'est un gars en MT aussi? Bonne soirée, ciao! Wouh! Appelle-moi professeur, poste du pilotage, ah ouais. Plus d'autres phrases, ah ouais. Pas de bivocal, moi j'écris sur mon bigo depuis qu'on m'a dit au kilo de page, arrête. Si je te dis que t'es grave tard, je te mens, j'essaie juste de pas te haggard devant ta plaque, c'est un vacarme.